Chers amis, bonjour. Alors, comme je l'ai mis dans le poste, je vais parler de plusieurs choses. Tout d'abord, je vais commencer par la censure. Donc, vous avez dû le remarquer, je fais des lives tous les jours, tous les soirs. Et depuis 2 jours, je n'arrive pas à diffuser sur YouTube. Je diffuse sur les autres canaux, VK, Periscope, Twitch, Facebook. Facebook, c'est tout le temps entrecoupé. Avant YouTube, c'était le plus stable. En plus, je vous avais prévenu, hein, il fallait pas que j'en parle trop. Maintenant, ça fait 2 jours que on m'empêche de diffuser sur YouTube, soi-disant que je n'ai pas respecté le droit d'auteur. Ça, alors là, je vous en avais parlé dès 2017. J'étais l'un des premiers donc à dénoncer la censure en 2017 lors des élections présidentielle. J'avais mis des captures d'écran. Facebook m'avait censuré pendant 2 semaines. J'avais enregistré dans la précipitation une vidéo que j'ai mise sur YouTube pour donner mes consignes de vote, vous informer sur Mélenchon que ce n'était pas du tout une solution, etc. Et donc là, ça recommence avec YouTube. Là, c'est pire. On m'empêche de faire donc du live, du direct pendant 90 jours. Là, je vais vous mettre donc ce que j'ai reçu par mail. Ils me disent que je peux pas faire de live pendant 90 jours, mes chers amis. Vous vous rendez compte? Regardez. Là, c'est le mail, donc. Ça c'est ce que je peux voir moi en tant que ma page, en tant que créateur de vidéos. Et ça, c'est le mail que j'ai reçu. Hein, vous voyez? Pendant 90 jours, je ne peux pas diffuser en direct parce que cette vidéo-là, soi-disant que j'ai diffusé soit de la musique, certainement de la musique, que je n'ai pas les droits d'auteur. Donc voilà, la censure se base toujours sur ces histoires de droits d'auteur. Hein. Si c'est pas, à l'époque, il m'avait dit que j'avais mis des hashtags qui n'avaient pas un rapport avec la vidéo. Enfin, franchement, on s'en fout un peu des hashtags qui n'ont pas de rapport avec la vidéo. Tu censures pas comme ça une vidéo. Il me l'avait enlevé la vidéo. Mes chers amis, et donc il se base toujours sur cette histoire de droits d'auteur. Comment ça se fait au-delà des droits d'auteur? Comment ça se fait qu'en France, on paye une redevance télé, on paye des abonnements à des box, on paye peut-être même des fois des abonnements à des chaînes, on bouffe leur pub lorsqu'ils diffusent leur contenu, et qu'ensuite on peut pas utiliser les contenus de ces chaînes-là, et particulièrement les contenus dérangeants des chaînes d'infos en continu, les chaînes d'information, les reportages qui sont diffusés, que ce soit sur les chaînes publiques, les chaînes privées. Comment est-ce possible qu'on accepte encore ça? Hein, il faut déverrouiller, arrêter de censurer. Vous avez touché donc les rentrées publicitaires lorsque vous avez diffusé, c'est terminé. Et en plus, on paye des redevances. Maintenant, la redevance, ils veulent même que ce soit pour les autres supports que la télé. Arrêtez, laissez-nous partager ce qu'on veut. Nous sommes le cinquième pouvoir, d'accord? Tous les autres pouvoirs, vous les avez corrompus, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir médiatique. Vous êtes corrompus entre vous, hein, la franc-maçonnerie, vous dominez tous les pouvoirs, et là, le cinquième pouvoir, c'est nous. C'est le peuple avec les instruments d'Internet, les smartphones, les nouveaux instruments. Le cinquième pouvoir, c'est nous. Et là, vous voyez, pour des histoires de droits d'auteur, pour des broutilles, pour rien du tout, c'est un carcan, on est censuré de partout. Moi, je viens de faire la réclamation, l'appel donc de cette décision. Ça m'a pris toute la matinée. Hein, c'est compliqué. Ils vous disent, il faut cliquer là, il faut cliquer ici. Enfin, vous savez très bien de quoi je parle. Hein, si un jour vous êtes attaqué à faire un appel d'une décision sur Internet, c'est compliqué. Hein, ils vous répondent pas. On va voir. Et puis vous obtenez jamais gain de cause. Hein. Entre-temps, vous êtes censuré pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Hein, c'est une honte. Donc là, pendant 90 jours, pas de direct sur YouTube. Ça va rendre beaucoup contents. Hein. Particulièrement ceux qui diffusent comme moi des lives et qui, eux, pour le coup,
ne sont pas des vrais dissidents et œuvrent pour le système, hein, œuvrent contre la révolution. C'est des contre-révolutionnaires, hein, ça a toujours existé, les contre-révolutionnaires. Alors, conscients ou inconscients, hein, il y en a qui sont actifs, clairement conscients, et puis les autres dont je vous parle tout le temps, les instrumentalisés, les idiots utiles qui se font mener par le bout du nez parce qu'ils reçoivent des infos par-ci, par-ça, entre autres Maxime Nicole, Flyrider, qui diffuse de beaucoup, beaucoup de confusion, hein, vous le savez, hein, désormais, hein, je vous ai mis beaucoup de preuves, la confusion sur le pacte de l'ONU, Monsieur X, et puis il parlait des 40 pages en anglais qui sont accessibles à tout le monde sur le pacte de l'ONU qui a été signé à Marrakech. Et il disait ce que j'ai dans la main. Regardez ces vidéos, hein. Cette vidéo, il l'avait fait. Il dit ce que j'ai dans les mains, c'est explosif. Il va y avoir la guerre mondiale si jamais ces documents sont portés à la connaissance du monde. C'est des documents qui sont téléchargeables par tout le monde en accès libre, donc sur le site dédié à ce foutu pacte qui n'est autre qu'une charte de bonne conduite, comme les chartes que vous trouvez affichées dans les hôpitaux et qui ne généralement sont pas respectées parce qu'on n'est pas respecté, hein, mais qui disent voilà, le malade doit être respecté, blablabla. Hein, ils arrivent donc à créer des faux scandales, à vous entraîner dedans, avec la complicité consciente ou inconsciente des chercheurs de vérité, des dissidents sur Internet comme votre serviteur. Et voilà, hein, la boucle est bouclée. Hein. Après, ça fait contre-feu, ça nous fait passer pour des cons, hein, parce que regardez après, eux, ils se gênent pas pour mettre des articles, donc pour dire oh mais comment vous avez pu croire à ça? Alors regardez, je vous le remontre encore, hein, je vous ai déjà montré tout ça, mais allons-y. Pour ceux qui n'étaient pas avec moi, qui l'ont jamais vu, voilà l'article de l'immonde, ce torchon, c'est lui qui fait la leçon, hein, beaucoup lui donnent la chance de faire ça. Vendre la France à l'ONU, de Trump au gilet jaune, itinéraire mondial du Nantox. Voilà. Une théorie, le texte de l'ONU en réponse à la crise des migrants est devenu la base d'une théorie conspirationniste dans le mouvement de protestation français. Voilà. Les complots, je vous rappelle que ça existe, hein, le 11 septembre et plein d'autres complots, ils existent, hein, Gladio, je vais pas là vous les citer tous, hein, mais les complots existent. Ne serait-ce que les attentats, c'est des complots. Les guerres, soi-disant pour aider les autres peuples, c'est d'énormes complots. Ça existe. Et là, ils créent donc ces rumeurs. Beaucoup les relaient donc intentionnellement. Leurs robots, hein, ils ont des robots qui les relaient. Et au final, ils font passer ceux qui disent. Ceux qui dénoncent les vrais complots, comme votre serviteur, ceux qui cherchent la vérité. Ils font mettre tout le monde dans le même sac, voilà, une théorie conspirationniste. Et puis ça touche aussi les gilets jaunes, hein, quand vous avez donc Flyrider et d'autres qui représentent entre guillemets les gilets jaunes d'Internet, etc., et les initiateurs, bah, c'est le mouvement qui est touché, hein. C'est le mouvement qui perd en crédibilité. Là, pareil, hein, hier j'ai répondu, la nouvelle fake news là d'Aix-la-Chapelle, hein, le traité d'Aix-la-Chapelle qui soi-disant va le 22 janvier va attribuer l'Alsace. Mais moi j'en rigole parce que comment vous beaucoup d'entre vous peuvent partager ça? Et comment ceux qui se disent des relais, des gilets jaunes, ils peuvent dire des conneries pareilles, ils peuvent faire des lives, des directs en disant venez, venez, partagez, je vais vous annoncer des choses gravissimes, ouh là là, regardez, mais comment vous pouvez faire ça, hein? Pour moi, vous êtes complices, hein, vous êtes complices du système, hein. Tous ceux qui font ça, vous êtes complices du système, hein. Vous entraînez les autres dans votre bêtise, vous êtes complices du système. Donc voilà, encore pour vous nous faire passer, enfin tous ceux qui, nous tous, hein, au final, même moi, hein, je veux dire, moi, il s'est pas dit que c'est écrit nulle part, que je n'ai jamais cru à ces conneries, que je les dénonce, hein. Donc ils nous font passer tous pour des cons. Regardez, non, le traité d'Aix-la-Chapelle ne va pas donner l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Voilà.
Macron doit signer avec Angela Merkel le 22 janvier, est accusé d'offrir l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Voilà comment nous faire passer pour des cons, quoi. Voilà. Un mois après, voilà, regardez. Un mois après s'être vu reprocher à tort, de faire perdre la France et sa souveraineté en adoptant le pacte de Marrakech, Emmanuel Macron s'apprêterait de nouveau à porter atteinte aux intérêts de la nation. Sur les réseaux sociaux et notamment au sein de groupes de gilets jaunes, nombre d'internautes l'accusent en effet d'être sur le point de vendre, et en plus ils mettent entre guillemets parce que enfin, franchement c'est incroyable, hein, de vendre en secret, hein, en secret, comme le pacte de l'ONU, que les 40 pages que moi je vous ai dit, elles sont disponibles en anglais, vous avez qu'à les lire. Beaucoup, et donc je répète encore, Maxime Nicole Flyrider avait présenté ça comme délivré par un monsieur X, des documents secrets incroyables, et qu'il peut même pas en parler, il a signé des clauses de confidentialité. Enfin, c'est à dormir debout. Faut arrêter de semer de la confusion, hein. Je t'ai attendu hier, tu as dit tu vas venir parler en direct, t'es pas venu. Faut arrêter, mec, hein. C'est pas ça les complots, hein. Donc voilà, le vendre en secret, l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. C'est ridicule, c'est ridicule. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il relaie ainsi une intox de taille, puisque le traité en question, dont les 28 articles sont déjà consultables sur le site Contexte, ne comporte aucune de ces dispositions évoquées. Vous êtes incroyable, hein, parce que là, c'est en plus le Rassemblement national qui relaie, debout la France de l'autre manipulateur, franc-maçon, Dupont-Aignan qui relaie. Enfin, c'est toujours les mêmes. Et puis les sites riposte laïque et tous ces sites-là, Boulevard Voltaire, La gauche m'a tué, mais c'est des sites souvent qui. Il y a des liens, vous cliquez dessus, regardez ça, où est-ce que ça vous renvoie? Ça vous envoie à franceisraël.org. C'est que des sites créés pour créer, encore une fois, mettre de la confusion dans nos rangs, dans les rangs du peuple, mettre de la tension dans la société civile, nous faire passer tous pour des cons, comme ça, les vrais complots, plus personne ne veut entendre parler. Bah, franchement, quand vous voyez tout le temps qu'il n'y a que des conneries qui sont relayées, et lorsque vous avez des gens comme moi ou comme d'autres qui viennent vous parler de vrais complots, mais c'est normal, mais moi je me mets à la place de ceux qui ont porté une oreille à ces conneries. Plus personne ne veut entendre la vérité après. On passe notre temps à partager des conneries qui disent alerte, alerte, et puis se rendre compte au final que c'était des conneries, eh ben c'est bon. Après, on entend plus l'oreille, a plus aucun argument, on veut plus entendre parler d'aucun complot. Mais la vaccination, c'est un problème, si ce n'est pas un complot en France. On n'a pas de réponse sur ça, on n'a pas de réponse sur beaucoup de sujets comme les chemtrails, les traînées que vous voyez dans le ciel. On n'a pas de réponse, mais moi j'ai des réponses sur Linky. Linky, c'est pour nous surveiller à travers la technologie CPL, vous savez. Vous branchez, tout est branché à l'électricité, et quand vous branchez vos téléphones pour charger vos batteries, bah vous branchez sur la bête. La bête vous identifie à travers Linky, et vous savez, les réseaux CPL, c'est-à-dire par l'électricité, ça transporte Internet, donc les informations contenues dans vos appareils, et ça les transporte à une vitesse aujourd'hui phénoménale, c'est 1 gigaseconde. C'est 1 giga seconde. Ça veut dire que le contenu d'un smartphone récent, il est absorbé en quelques. Même pas, en quelques minutes, hein, très faiblement, on ne pouvait pas y échapper, hein. Tous les jours, tous les appareils, partout. Ça, c'est des complots, hein. On nous apporte aucune réponse. Je vous parle même pas des complots, des attentats
Je vous parle même pas du complot, de l'attentat de Strasbourg, des autres attentats du 11 septembre, de là, ces criants que le soi-disant que le Saddam Hussein utilisait de l'anthrax avec Colin Powell qui montre ça, la fiole à l'ONU et que après maintenant on sait que c'était de la farine. Ça, c'est des. Les complots existent et les médias, leur boulot, c'est de vous faire croire que c'est des conneries, que c'est des gens, c'est des uberlulus, comme votre serviteur, qui racontent des conneries. Et ceux qui relaient donc leurs conneries, et particulièrement ceux qui sont beaucoup suivis, font beaucoup de mal à la dissidence et aux gilets jaunes, d'accord? Donc voilà, maintenant je vais vous montrer le dernier partage robotique que je vous recommande vivement de surtout pas partager. Hein. Là, je vais vous le montrer, le dernier partage robotique. Surtout ne partagez pas ces conneries. Donc voilà. Voilà, vous allez recevoir ça. Urgent, mes chers amis, gilets jaunes et citoyens consternés par la violence avec laquelle sont réprimés des manifestants dont les seules revendications sont de pouvoir vivre dignement dans la souveraineté de leur être et dans la paix. Faites le message. Bon, bref, vous, lorsque vous allez sur le lien de cette connerie, vous tombez donc sur une vidéo qui fait la promotion, toujours des mêmes, ceux que je viens de vous dénoncer, les faux chercheurs de vérité, les vrais diffuseurs et colporteurs et véhicules de rumeurs qui nous nuisent à nous tous, hein, les fausses alertes, hein, c'est Étienne Chouard. Hein. Étienne Chouard, il n'est pas d'aujourd'hui, hein, ceux qui les découvrent aujourd'hui le connaissent aujourd'hui, hein, mais Étienne Chouard, bon, bah, il a toujours essayé d'arriver comme ça avec. Avec des pseudo découvertes sur le système bancaire, c'était ça son dada, expliquer que le système bancaire, bon bah, il y a des écritures, on écrit les crédits de rien, l'argent n'existe pas, c'est une énorme manipulation, hein, parce qu'il simplifie la chose, ce n'est pas du tout comme ça. Bien entendu que tout est écriture numérique aujourd'hui, bien entendu, mais c'est parce que l'argent, y a des sommes phénoménales. Vous imaginez si à chaque fois qu'il y a un crédit quelque part dans le monde qui est accordé, vous êtes devant le conseiller, le crédit il est accordé, il y a un fourgon qui arrive avec l'argent donc qui va vous être prêté, et puis vous repartez avec les mallettes à la maison. Mais enfin, réfléchissez 2 secondes. Il se prend pourquoi cet homme, il nous prend pourquoi, hein, faut arrêter de marcher dans ces combines. Hein. Tout est numérique et c'est tout à fait normal. Tout le système bancaire, pas seulement français, international, il est branché comme Internet. C'est des câbles, tout le monde est branché à tout le monde. Toutes les bourses sont intra-branchées, qui sont elles-mêmes intra-branchées aux banques centrales, qui sont elles-mêmes intra-branchées aux banques de détail, aux banques locales, privées, d'État. Tout est intra-branché et donc lorsqu'il y a une écriture quelque part, eh bien, elle apparaît autre part. C'est le principe même des bilans, c'est le principe même de la comptabilité. Lorsque vous mettez une écriture, une somme au débit, vous la reportez au crédit. Et lorsque vous mettez une somme au crédit, vous la reportez au débit. Il faut toujours cet équilibre. Donc, lorsqu'une banque accorde un crédit à un particulier, eh bien, cet argent-là, elle l'écrit donc sur le compte du particulier. Et la contrepartie, la même somme, hein, elle se l'enlève auprès soit de ses propres deniers, et si elle ne les a pas, parce que l'argent circule en permanence, elle l'emprunte auprès de la banque centrale. Mais ça, c'est le béaba de l'économie, c'est le béaba. L'argent ne dort pas, l'argent, il faut toujours qu'il rapporte, donc même pendant quelques heures. L'argent, il est placé dans les banques centrales. Et les banques centrales rémunèrent les banques de détail. Elles les rémunèrent. Alors c'est faible, c'est généralement autour de 0,75%. Et c'est ça, hein, ce qu'on appelle le taux directeur des banques centrales, c'est-à-dire qu'elles fixent la rémunération qu'elles accordent pour les dépôts des banques chez elles. Et plus donc elle va rémunérer ses dépôts des banques. Ou alors l'emprunt que les banques font auprès d'elles, hein, parce que quand la banque de détail emprunte auprès de la banque centrale
pour prêter à un particulier, elle empoche la différence en fait hein, entre les deux taux d'intérêt. Si la banque centrale met des taux de prêt qui sont très bas, qui sont des taux d'intérêt qui sont très bas, eh bien ça encourage les banques de détail à offrir beaucoup de crédits parce qu'elles savent qu'elles vont empocher une grande marge, une grande différence. Maintenant, si les banques centrales augmentent leur le taux d'intérêt sur ce que les banques de détail vont emprunter auprès d'elles en capitaux, en argent pour prêter aux particuliers, cela devient moins intéressant pour les banques de détail de prêter aux particuliers parce qu'elles ne gagnent pas beaucoup, elles sont obligées elles-mêmes d'augmenter beaucoup leur taux d'intérêt, ce qui grippe le crédit parce que le particulier voit des taux d'intérêt, s'il jamais il contracte un crédit qui sont trop élevés, donc il hésite à faire son achat, si c'est un véhicule, une maison, etc. Bon, bah ça c'est le béaba de l'économie, vous voyez, c'est du numérique, c'est des fractions de secondes, c'est des branchements en fibre, c'est le monde d'aujourd'hui, il est comme ça. Étienne Chouard vous explique que parce que c'est comme ça, donc il y a des gens comme ça qui font, qui créent de l'argent alors qu'ils ne devraient pas. C'est-à-dire que les banques de détail, au final, ils résument ça à cette caricature qui dit que un particulier va voir le banquier, il a un pouvoir absolu pour créer cet argent de rien et ne rendre compte à personne. Mais c'est totalement faux, hein. C'est des, vous, lorsque vous donnez d'une part, vous récupérez d'autre part, hein, et lorsque vous récupérez d'autre part, forcément, de quelque part, c'est l'inverse. Vous devez donner ce que vous avez récupéré. Hein. C'est le principe aussi dans la bourse pour les actions, les ventes à découvert. C'est l'inverse de lorsque vous achetez une action et qu'en plus et que vous attendez un peu jusqu'à ce que ça devienne favorable et qu'après vous la vendez, vous empochez la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, eh bien vous pouvez aller dans le sens inverse. Ça s'appelle vente à découvert. Vous vendez, c'est assez complexe, je sais, mais vous vendez ce que vous n'avez pas, et lorsque ça devient favorable, eh bien vous achetez l'action. Et c'est que vous vendez, c'est les actions de la banque en fait, que vous ne possédez pas. Et lorsque ça devient favorable pour vous, vous les rachetez et en gros la banque retrouve ses actions, elle, il n'y a rien qui change pour elle, sauf que vous avez empoché la différence. Et cette vente à découvert, c'est ce qui a servi dans l'attentat donc du 11 septembre à ce que des milliards et des milliards de dollars ont disparu dans la nature, des milliers de milliards ont disparu dans la nature, c'est qu'il y a eu donc ces ventes à découvert, on ne sait pas qui, hein, parce que l'enquête s'est arrêtée, ils ont dit on ne sait pas, d'énormes fonds ont vendu en masse les actions de deux compagnies sur trois américaines aériennes, deux compagnies aériennes américaines sur trois, comme par hasard, il n'y a que ces deux compagnies-là en question qui ont eu leurs avions, donc qui se sont écrasés contre les tours, etc., le Pentagone. La troisième compagnie, ses avions n'ayant pas été utilisés, les jours précédents, il n'y a pas eu d'action donc phénoménale sur ces actions, il n'y a pas eu de vente à découvert comme ça. Donc là, déjà, ça vous interroge, hein. Et donc voilà, lorsqu'après, dès que l'attentat s'est produit, les actions de toutes les compagnies, mais particulièrement de ces deux compagnies-là qui sont mises en cause, elles ont crashé en bourse, hein, la valeur de leurs actions, elle est tombée tellement bas, et que ces gens qui avaient à l'avance vendu ces actions, ils les ont rachetées à ce moment-là, parce que quand ils les ont vendues, ils les ont vendues, elles étaient assez chères, et dès qu'elles ont crashé, ils les ont rachetées, et là, à ce moment-là, elles étaient très très basses. Donc, ils empochent la différence. C'est le principe des ventes à découvert. Bon, j'essaie de vous l'expliquer comme je peux, mais je vous dis, c'est ce Étienne Chouard, c'est un manipulateur de plus, comme les autres qui véhiculent ces conneries. Et donc ne participez pas à ces conneries parce que là, il y a une cagnotte pour lui, pour tous les autres. On vous invite à Bercy si je suis bien. Attendez, je vais aller voir. Parce que là, voilà, je vais aller voir. Je vais vous dire là. Ça vous envoie donc sur hein, une vidéo. Hein, voilà.
Ça vous envoie donc sur une vidéo. Regardez. Encore une fois, pour qu'il manipule, pour vous emmener dans une impasse, pour vous installer encore et encore cette histoire de RIC dans la tête. Hein. Le RIC, je vous rappelle, est le meilleur moyen pour donner du temps à l'oligarchie, à la franc-maçonnerie, à Macron et ses copains, à tout le monde, pour gagner du temps. Parce que là, si jamais donc les gilets jaunes et la révolution continuent jusqu'au bout, ils tombent tous, ils tombent tous. Donc eux, ce qu'ils veulent faire, c'est installer des Daniel Cohn-Bendit, comme en mai 68, pour tuer la révolution et faire croire que le Graal, c'est le RIC ou je ne sais pas, les taxes sur l'essence ou toutes ces autres conneries qu'ils essayent à chaque fois d'installer dans vos têtes, d'accord? Ou l'ISF, mais c'est quelques petits millions, hein, c'est pas ça qui va changer notre vie, hein. Quand on nous parle de franc-maçonnerie, hein, quand on nous parle des milliards qui ont disparu sous Hollande et que la Cour des comptes a signalé ça, ouvrez les guillemets, comme insincérité. Hein. Le mec qui fait une erreur comptable de plusieurs milliards, c'est insincérité. C'est pas du vol, c'est pas de la tricherie, c'est pas des mensonges. Hein. Donc ils sont entre eux, ils se protègent. Nous sommes décalés par rapport à eux, d'accord? Donc là, je vous montre. Surtout, ne relayez pas ces conneries. Public sur place, Étienne Chouard, Régis Chamagne, Charlie Noël, Julien Gann et de nombreux intervenants surprises. Une multitude de médias alternatifs ont répondu à l'appel et seront présents sur place afin de relayer cet événement comme il se doit. Une équipe de gilets jaunes. Bien sûr. Ce que l'on pourrait appeler un élan de solidarité hors norme. Donc tous ceux qui veulent imposer depuis le début, hein, que les merdias veulent imposer, que même Bernard Tapie, ils sont partis le chercher de sa convalescence pour nous manipuler avec ses propres gilets jaunes à eux. Voilà, là, tous ceux qui vont participer à cette conférence, là, quand vous appelle à partager en masse, et puis c'est qui est bloqué, qui peut pas partager ça? Ça, c'est des robots, ça, c'est les gouvernements qui vous parlent. Regardez comment c'est bien fait, la vidéo. Hein, c'est qui est celui-là qui peut pas partager? Parce qu'il n'y a qu'une personne qui intervient. Vous avez pas vu le nombre de personnes qui intervient? C'est qui est bloqué? C'est Étienne Chouard? C'est soi-disant médias alternatifs? Ces faux prophètes là? Ces faux youtubeurs qui sont bloqués? Enfin, tout le monde? Enfin, dites-moi, qui est bloqué? Qui a envoyé ce message qui dit désolé, je suis bloqué, je peux pas partager? Parce que vous allez recevoir tous le même message robot. Hein, c'est des robots. C'est utilisé par les gouvernements. Regardez la série House of Cards. Vous comprenez très bien ce que c'est. C'est des robots. C'est des robots qui vous parlent, qui vous envoient des messages alarmants en vous disant « Vous allez voir ce que vous allez voir, partagez ça, on a découvert ci, regardez comment c'est bien fait. » Ça, c'est l'œuvre de grands... Il y a des moyens derrière, regardez comment le clip il est fait. C'est pas là, comme c'est présenté, hein, regardez, je vous la remets. Hein, c'est pas là. Bonjour, mes chers amis, consternés, faites passer le message. Voilà, s'il vous plaît, je suis bloqué sur Facebook jusqu'à vendredi soir, ça tombe bien, et je ne peux intervenir dans aucun groupe. Mais t'es qui toi? T'es qui? C'est le robot qui vous parle, d'accord? C'est le robot qui vous parle. Mes chers amis, ouvrez les yeux, non, d'une pipe, sur ce RIC, arrêtez avec ce RIC, arrêtez, c'est leur donner du temps, et le gouvernement vous manipule à travers ces véhicules, ces faux prophètes, ces faux dissidents, ces véhicules de conneries et de manipulations qui vous font croire un jour que l'Alsace et la Lorraine va être filées à l'Allemagne, le lendemain il faut venir à leur pseudo-conférence là et donner de l'argent, et le RIC va faire du bien à tout le monde. C'est des conneries, c'est le gouvernement qui vous parle, et surtout ne donnez pas à leur cagnotte, ne donnez pas à leur cagnotte, d'accord? C'est le gouvernement qui vous parle, il vous balade, c'est la franc-maçonnerie, c'est des gens qui sont très très intelligents, très sophistiqués,
Leur force est diabolique, c'est-à-dire qu'ils sont forts dans la tromperie. D'accord? Le diable se cache dans le détail. Le diable, il se cache ici, le diable. Il se cache dans ceux qui viennent vous parler avec un visage donc familier, qui vous disent, c'est ça, viens nous aider, viens Leuric, frère, etc. Le diable se cache dans les détails. Ou à d'autres, ceux qui sont familiers, qui leur disent, ah frère, il faut faire quelque chose contre ce pays, ils font des guerres, il faut faire un attentat, etc. C'est les mêmes. C'est les services secrets, c'est les robots au service donc des services de l'État, des robots sur les réseaux sociaux. Regardez House of Cards. Vous voyez comment ces gens-là, par des robots, arrivent à inonder les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Il n'y en a pas un seul qui leur échappe. Ils inondent donc d'informations, de fausses informations. D'une part pour mettre des fake news, pour après se moquer donc de la dissidence, se moquer des vrais complots en nous faisant passer tous pour des cons, en disant oh regardez les complotistes, ils ont vraiment cru que l'Alsace et la Lorraine, elle allait être vendue à elle allait être filée, hein, parce que là il s'agit même de données, hein, même pas vendue, elle allait être filée à l'Allemagne. Oh regardez la France, ils ont vraiment cru que la France a été vendue à l'ONU, pardon. Ils nous font passer pour des cons, et après les vrais messages, les vraies alertes, les vrais complots, eh bien plus personne ne veut les entendre. Beaucoup d'entre vous viennent m'interpeller en me disant, mais Mehdi, mais pourquoi lorsqu'on parle on veut dire des vérités, les personnes autour de nous sont fermées à ce discours et refusent d'entendre et commencent à prendre la fuite. Et bien là, vous savez la réponse, parce que franchement, lorsque vous voyez tous les jours des informations, des fausses alertes qui vous disent que la France est filée, on va filer un morceau de la France par là, on va vendre la France par-ci, et toutes les autres tous les autres relais à la con, bah forcément vous voulez plus rien entendre après, hein. Même moi je suis saoulé, hein, de recevoir ça tous les jours. Et puis attention, si tu partages pas à 20 de tes amis, Facebook va devenir payant. Si tu fais pas ça, Facebook va Twitter va devenir payant, WhatsApp va devenir payant, toujours les mêmes conneries. Attention, on n'accepte pas un tel parce que c'est un virus, mais c'est pas comme ça les virus, nom d'un chien. Attention, regarde pas ça parce que c'est. Attention, il va pirater ton compte et celui de tous tes amis. Mais arrêtez de partager ça, c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes qui partagent ça, c'est pour vous perdre. C'est la franc-maçonnerie, les pouvoirs. Comment dire, les services secrets qui eux-mêmes sont au service donc de ceux qui nous gouvernent et de la franc-maçonnerie, hein. Les services secrets sur la planète Terre, ils sont tous au service donc des mêmes, le bras et les oreilles des mêmes, les sociétés secrètes, hein, que vous voyez, c'est le même, hein, c'est le même secret, hein. C'est pour à chaque fois vous envoyer dans de fausses pistes pour vous perdre, que vous perdiez du temps éternellement, que ce soit sur ce sujet, les extraterrestres et tous les autres sujets qui reviennent avec insistance. C'est pour que vous cherchiez pas dans comment dire, dans le bon sens, au bon endroit. Hein, le complot, il est simple, c'est la franc-maçonnerie et les sociétés secrètes, les multiples loges, il y en a par centaines à travers la planète, qui tiennent tous les pouvoirs et qui justement utilisent le système de créer des virus pour arriver les seuls et les premiers avec les antivirus, créer du désordre avec les complots contre la famille, pour désorganiser les peuples, comme ça nous à l'intérieur on va se battre entre nous et eux ils arrivent donc comme les parents comme ça pour calmer tout le monde, faire la guerre avec le sang des autres, créer de la destruction ou faire des attentats pour créer des lois sécuritaires, nous étrangler encore plus, nous fliquer encore plus, nous surveiller encore plus. Bon voilà, j'en parle et j'arrête pas d'en parler. Mes chers amis, il est temps que vous en aperceviez. Hein. Ne partagez surtout pas donc ce message que je vous ai montré. Je le remontre, je vais arrêter ça. Parce que vous voyez, ça, c'est le gouvernement qui vous parle. Donc voilà, ce message-là, ne le partagez pas. C'est contre-productif, non seulement de leur donner de l'argent à ces
à ces prophètes du faux, hein. Mais en plus, ne perdez pas de temps à aller les regarder ou regardez-les de ce que ça va être diffusé de partout, hein. Regardez-les sur vos réseaux sociaux. Le RIC, ce n'est qu'une manipulation de plus. Ils jouent le rôle de pompiers, hein. C'est comme les syndicats dans les entreprises, hein. Leur boulot, c'est faire les pompiers. Donc, c'est une manipulation, le RIC supplémentaire, pour éteindre la révolution, qui la révolution ne doit pas s'arrêter avant d'avoir éliminé le système dans son intégralité. Tous les décideurs, dans toutes les institutions, les hauts fonctionnaires, tous ceux qui sont francs-maçons doivent quitter le pouvoir. On va refaire les choses au propre. À ce moment-là, si vous voulez, plus tard, on fera le RIC, il n'y a pas de souci. On fera même mieux que le RIC. On fera une démocratie en temps réel par smartphone, par internet, par ordinateur. On votera tous les jours s'il le faut. Et puis, il n'y a pas besoin de cacher, hein, son vote, hein, comme aujourd'hui. Enfin, je vais dire, de quoi a-t-on peur? Il faut assumer ses idées. Il faut qu'on puisse vérifier justement si le vote a été manipulé, c'est que chacun sera identifié pour son vote. Et ça apparaîtra sur les sites. Mehdi Mnawar a voté ça pour ça, a voté ça pour cette élection, a voté ci pour cette élection, a voté ça pour ce référendum-là. Pourquoi cacher notre vote? Mais je vais dire, c'est le meilleur moyen de vérifier s'il a été pipé ou pas. Hein, là, après, il suffira de faire un compte. Hein. Donc voilà, la vérité elle est là, mes chers amis. C'est pas aujourd'hui de leur donner le moyen d'arrêter la révolte, parce que là ils demandent pour mettre en place le RIC plusieurs mois, voire plusieurs années. Et encore une fois, la franc-maçonnerie inondera les vrais sujets avec leurs sujets dont ils sont friands, comme par exemple la soi-disant défense des femmes, comme la soi-disant défense des homosexuels, comme la soi-disant défense des étrangers, des personnes d'origine étrangère, comme la soi-disant lutte contre le racisme, comme la soi-disant défense des travailleurs. Mais enfin, c'est pas vous qui allez nous défendre, merde. Nous, est-ce qu'on parle à votre place? Voilà. Et puis ils trouvent toujours des tapins, par exemple comme Tapie, qui vient pleurnicher sur les plateaux parce que il a tellement mal pour les pauvres, alors que lui, il nous a pris dans les poches 400 millions avec lesquels, au lieu de se calmer et de se faire oublier, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il achète les organes de manipulation, de propagande. Il achète des médias, des journaux, et maintenant il dit qu'il a plus d'argent. Je rappelle que Christine Lagarde a été condamnée. Elle a été condamnée, celle qui lui a filé. Donc cet argent, elle a été condamnée, mais sauf que elle, c'est la magie de la franc-maçonnerie, condamnée mais sans peine, et son casier judiciaire donc demeurera vierge. Ça, c'est la magie de la République. La République, c'est la création de la franc-maçonnerie. Je vous le rappelle, hein. Quand ils disent la République, c'est moi, comme hier. Comme Mélenchon qui le dit, Mélenchon franc-maçon 33e degré. Asselineau, c'est pareil, hein, il s'entend bien, il le dit dans des vidéos avec les francs-maçons, ils sont dans son parti, il n'y a pas de souci, et même il vit avec quelqu'un qui est franc-maçon. Donc voilà, ne faites pas confiance à ces gens-là. Et là, beaucoup donc des dissidents, beaucoup le sont, beaucoup sont francs-maçons. Là, je vais vous lire, parce que vous me posez tout le temps des questions, je vais vous lire. Voilà, plusieurs noms, parce que vous me le dites à chaque fois. Voilà, allez, prenez vos stylos. À chaque fois, vous me demandez, et un tel, allez, notez. Chouard, manipulateur, pompier de la Révolution. Nicole, Maxime Nicole, Flyrider, manipulateur, pompier pour éteindre la Révolution. Éric Druet, manipulateur pour éteindre la Révolution. Ramos, manipulateur pour éteindre la révolution. Jacqueline Moureau, gourou, manipulatrice pour éteindre la révolution. Cauchy, Saber de la chaîne Saber Solo. Levasseur, c'est Ingrid. Ludowski, c'est Priscilla, la blague qui était au tout début, que BFM TV lui a fait un reportage sur les taxes sur l'essence. Et puis ces gens-là, ils se sont rencontrés dans une association obscure, une association obscure, soi-disant pour des bagnoles. Hein, voilà, regardez. C'est cette association-là. C'est une association très obscure. Voilà, comment on peut comme ça créer une association juste à l'élection présidentielle, hein. L'association, regardez, elle a été créée le 5 mars 2017. Vous voyez? C'est cette association-là, hein. Donc l'association, est-ce qu'il est écrit ici le nom? Il n'est pas écrit, mais je vais vous donner. Elle est là. Voilà, c'est Muster Crew, l'association, regardez. Bon.
Là, j'arrive pas à sélectionner, mais là, regardez, Muster Crew, cette association-là, Muster Crew, c'est l'association d'amateurs, là, c'est écrit, de bénévoles, organiser des rassemblements statiques de véhicules, automobiles et motos. Le but est de rassembler, réunir des passionnés d'automobiles et de motos. Voilà, comme par hasard, le 5 mars 2017, la team Macron, hein, ils ont beaucoup de ressources, et aussi les Américains, la CIA, enfin tous ces gens-là. Alors, il y en a qui le font intentionnellement, et beaucoup le font parce qu'ils sont instrumentalisés, parce que c'est des idiots utiles, hein, qui sont contactés de partout et qui sont aspergés de fake news et de manipulations en tout genre. Donc voilà, là vous avez le tableau, mes chers amis. Alors soit vous vous réveillez une bonne fois pour toutes et vous arrêtez de marcher dans dans leur manipulation, hein, que ce soit les médias mainstream ou les médias non mainstream auxquels vous avez, on a tous tendance à faire un peu plus confiance, hein. Les francs-maçons, s'ils peuvent se payer avec des milliards les grands médias et tous les médias sans exception, vous croyez qu'ils peuvent rien faire sur Internet, qu'ils peuvent pas s'acheter des manipulateurs ou des médias ou influencer sans que ce soit découvert, même par la personne elle-même, parce que moi je suis contacté tous les jours par des messages, mais si on n'a pas le regard avisé, si on fait pas ses propres recherches, on cherche juste le clic pour gagner de l'argent sur YouTube ou ailleurs, eh bien on se fait mener par le bout du nez. Et le problème, c'est qu'on mène derrière soi tous les autres qui vous regardent et qui vous font confiance. Donc voilà, Saber, Levasseur, Ludowski, Buller, Deval, Herbert, Chouard, Nicole, Drouet, Ramos, Moureau, Cauchy. Voilà, vous manipulez, arrêtez de relayer des conneries, arrêtez de relayer des conneries. Mes chers amis, donc j'ai montré les captures d'écran au tout début donc de ce live. Je suis censuré sur YouTube depuis 2 jours. Voilà, pendant 90 jours, je ne peux pas faire de live sur YouTube. Donc j'ai créé une autre chaîne. Donc je vous montre, elle sera active à partir de demain. Je l'ai appelée C'est moi, vous voyez. Je vous mettrai donc le lien, je vous le mettrai là dans la publication. Elle sera active à partir de demain. Et de toute façon, je continue mes lives sur Facebook. Facebook, je suis coupé tout le temps. C'est un massacre à chaque fois que je fais des lives. Ceux qui me connaissent le voient et le savent. Mes lives sont massacrés, sont coupés. Et après, ça reprend effectivement lorsque vous avez des fois 200 personnes qui regardent et que vous êtes coupé en plein live et que vous redémarrez un live et que après bon bah il faut attendre que tout le monde revienne et qu'on se retrouve ensuite à 20, c'est pas la même chose. Lorsque vous démarrez un live, que ceux qui vous font confiance font des partages sur les groupes et un peu partout, et que vous-même vous faites des partages pour que ça soit vu un maximum, et que après vous avez une coupure et que vous devez recommencer à repartager à nouveau, eh bien Facebook vous bloque sur les partages, parce que nous avons tous un certain quota de partage sur les groupes et même sur Messenger, d'accord? Donc mes chers amis, je ne gagne pas un euro avec tout ce que je fais et avec tout ce que je dis. Mon seul intérêt, ma seule recherche, vous le savez pour ceux qui me connaissent, c'est de faire parler de moi et de mes enfants que je ne vois pas. Je ne vois pas mes 2 petits-enfants. D'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo où vous me voyez avec mes enfants. Vous voyez en plus la manipulation des motards qui, eux, ont commencé par jeter des grenades sur les manifestants, mais les merdias se sont bien gardés de montrer ça. Je fais ça pour revoir mes enfants, mes chers amis, parce que je ne suis absolument accusé de rien. J'ai un casier judiciaire vierge et je me bats. Je suis un père debout qui se bat pour ses enfants. Rien de plus. Je n'ai pas gagné 1 euro. Peut-être bientôt je vous demanderai de l'aide financière, mais jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas rentré le premier euro. Je me suis présenté seul et sans parti, sans rien du tout aux législatives 2017. J'étais seul. J'ai affiché sur mes nuits, j'ai affiché avec un escabeau un peu partout. Sous la pluie et le matin, j'étais toujours là.
Mes chers amis, je n'ai aucun gain financier à vous avertir. Ce que je veux, c'est que la révolution aboutisse et qu'on arrive jusqu'au bout. C'est ma seule recherche. Ce que je veux, c'est aider tous les autres enfants, tous les autres parents, aussi bien les mères que les pères. Nous n'avons plus besoin de eux. Eux, ils sont là pour installer de la division parmi nous. Et d'ailleurs, le discours de Macron hier, c'était que de la division. Parler, soi-disant pleurer pour la pension non versée des mères, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit aux mères, si vous en sortez pas, c'est à cause des pères, c'est aux femmes, si votre vie est difficile, si le travail que vous faites est difficile, bah, c'est à cause des hommes, etc., etc. Monter les enfants contre leurs parents au travers des produits télévisuels et culturels, monter tout le monde contre tout le monde, les nationaux contre les étrangers, alors que c'est eux qui ramènent les étrangers parce qu'ils ne leur laissent aucune chance de s'en sortir dans leur pays. C'est que comme ça, mes chers amis. Je vais arrêter ce live, je vais me permettre de vous mettre donc la vidéo où j'apparais avec mes enfants. Ça me ferait plaisir que vous la regardiez. Voilà, ça résume un peu mon histoire. J'ai toujours un pincement au cœur lorsque je la vois. Mes chers amis, je vous demande une chose, mes chers amis, avant de mettre la vidéo, je vous demande une chose, mes chers amis. Faites en sorte que ce samedi soit le samedi le plus suivi depuis le début. Mes chers amis, allez d'abord aux médias. Ne nous dispersons pas et ne suivez pas les indications de certains. Qui vous envoie dans des endroits déserts, vides, où il n'y a personne pour vous voir, comme la consigne a été donnée samedi dernier pour vous envoyer dans le centre de la France. Là où il faut aller, il faut être vu, parce qu'il y a aussi les médias étrangers qui filment, et nous nous filmons les uns les autres. C'est ça qui est intéressant. Donc, prioritairement, dans les grandes villes, Paris est en priorité. Depuis le début, je milite pour une stratégie, c'est de faire bugger le système en allant ceinturer les merdias. Ceinturer les merdias. Les retraités, laissez-vous arrêter et mettre en garde à vue. Ça fera bugger le système. Ils ne peuvent pas arrêter tout le monde. Et justement, ça épargnera les plus jeunes d'être arrêtés. Voilà, la stratégie, elle est simple, hein, c'est pas sorcier. Donc, je vous appelle vigoureusement, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma sincérité, à vous mobiliser, ceux qui n'ont jamais eu le courage de se mobiliser, à vous mobiliser ce samedi, à vous montrer, à être visible, à sortir partout, à filmer. Et moi, je serai là à relayer donc vos lives, même si là, ils m'ont bloqué mon YouTube. Bah, j'ai créé un autre YouTube et je relayerai sur tous mes réseaux sociaux, sur VK, qui est le Facebook russe, sur Periscope, sur Twitch, sur Twitter, sur Facebook. Je vous appelle, mes chers amis, à sortir ceux qui ont toujours hésité depuis le début, est-ce qu'ils sortent, est-ce qu'ils sortent pas? Je vous en supplie, sortez ce samedi. Ça sera le meilleur message pour Micron, pour Macron, pour lui dire, écoute, ta comédie que tu nous as fait, là, ton stand-up, il marche pas. Ça nous a pas convaincus. Et en plus, aux autres là qui essayent de vous installer le RIC dans la tête pour éteindre la révolution, à eux aussi, hein. Surtout ne donnez pas 1 € à leur cagnotte, ne les partagez pas, regardez-vous comme ça, parce que pour être critique, il faut regarder. Mais surtout, voilà, c'est un message à tous les manipulateurs, ne suivez pas leurs consignes d'aller dans des endroits déserts, là. Pourquoi pas aller manifester dans un autre pays tant qu'on y est, hein. Mais non, il faut aller dans les endroits où on sera filmé, sur Paris et particulièrement les merdias, hein. Il faut ceinturer les merdias pacifiquement, hein. Mes chers amis, mobilisez-vous pour ce samedi, je vous en supplie. Ça sera un message fort et clair à destination des manipulateurs du gouvernement, mais surtout de la franc-maçonnerie. Sur vos pancartes, n'écrivez pas les conneries habituelles. Philippe, on t'emmerde, Macron, destitution. Macron, c'est le dernier qu'il faut destituer. Il faut d'abord destituer toutes les institutions, d'accord? Et on finira par Macron. Ne donnez pas une raison à des forces des armées étrangères d'intervenir sur notre sol. Macron est protégé par la Constitution. Macron, il faut le laisser en dernier, d'accord? Donc sur les pancartes, nom d'un chien, soyez courageux, écrivez franc-maçonnerie, écrivez les vrais mots qu'on voit pas dans les merdias, écrivez chemtrails, écrivez ASE, placement d'enfants, écrivez école idéologique, écrivez ça, d'accord, mes chers amis? Mes chers amis, je vous mets la vidéo, merci beaucoup.
Mes chers amis, bonsoir. Je fais cette vidéo pour vous souhaiter bien entendu une meilleure et heureuse année 2019 qui s'annonce. Plein de bonheur avec votre famille et vos proches. La famille, c'est la chose la plus importante qu'un être humain puisse avoir dans ce monde. C'est comme un avion, c'est un ULM. C'est comme Planes. Il plane. C'est comme Planes, oui. C'est comme le dessin animé Planes.
Mes chers amis, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Merci d'avoir été là. Mes chers amis, pour ceux qui n'ont pas rejoint le début donc de cette diffusion de cette vidéo, vous la retrouverez donc sur mes réseaux sociaux, particulièrement là sur Facebook. N'hésitez pas à reprendre depuis le début. J'ai expliqué beaucoup de choses, même ma censure ainsi que la nouvelle manipulation qui est diffusée sur Messenger. Je vous ai expliqué ici aussi. J'ai nommé ceux qui véhiculent les fausses informations et qui font le rôle de pompiers pour éteindre la révolution avec le RIC ou d'autres méthodes. Mes chers amis, reprenez depuis le début et n'hésitez pas à partager un maximum. Soyons un maximum de monde, le meilleur samedi de tous les samedis, pour montrer à Macron ainsi qu'à tous ceux qui le relaient, que ce soit dans les médias mainstream ou dans les médias alternatifs pour se faire passer pour des chercheurs de vérité, à la franc-maçonnerie, à tous ces manipulateurs, démontrant-leur qu'on n'est pas bête et qu'on n'a pas, on n'est pas tombé dans le panneau, qu'on n'a pas marché dans leur manipulation et leur combine. Mes chers amis, descendez, montrez-vous ce samedi. Tous ceux qui ont hésité par le passé, les autres samedis, c'est le moment ou jamais pour délivrer un message clair. Un message très très clair, non seulement à nos autres compatriotes, nos frères et sœurs endormis, mais aussi au monde entier. Mes chers amis, prenez des gilets jaunes, descendez un maximum. Il faut qu'on voit toute la France jaune ce samedi, mes chers amis. Il n'y aura pas plus beau message, mes chers amis. Mes chers amis, je vous en supplie, faites-le pour vous, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos frères et sœurs, pour votre famille. Faites-le pour l'humanité, pour toutes les valeurs dans lesquelles vous pouvez croire, pour votre pays, pour la patrie, pour la France éternelle, hein, pas cette république maçonnique violente et terroriste. Mes chers amis, je vous souhaite une bonne journée et j'espère